Alors d'abord, merci beaucoup. Merci d'être là. C'est vrai que après les élections, avec Philippe, on est parti très très vite. Je revois la joie sur les visages qui étaient là. L'annonce des résultats définitifs a été faite. Et donc là, j'ai vraiment pris conscience. Voilà. Mais c'est grâce à vous, tout ça. Parce que il faut toujours se souvenir que s'il n'y a pas d'électeurs, il n'y a pas d'élus. Et donc, je crois que ça, c'est quelque chose qui doit motiver votre action au quotidien. En tout cas, c'est ce qui motive en permanence. C'est une commission qui n'existait pas à l'Assemblée nationale, qui existait au Sénat, mais pas à l'Assemblée, et qui est une commission qui vient juste d'être créée, et qui est la délégation aux Outre-mer. C'est une commission importante, dans laquelle on retrouve tous les députés d'Outre-mer, mais aussi d'autres députés, et en général les députés d'Outre-mer. Et cette commission, elle aura pour vocation de travailler en amont tous les budgets d'Outre-mer. Donc c'est important. Et puis, de travailler et de soulever les problématiques qui sont liées à l'Outre-mer. Il y a nous, on a dû manquer un épisode, un de plus d'ailleurs. C'est bien dans cette commission qui s'appelle la délégation aux Outre-mer que sera décider en amont les budgets d'outre-mer, n'en déplaise à M. Yannot, ainsi que les problèmes liés à la défiscalisation. Voilà. Quand vous avez 300 députés, tout le monde se bat pour monter à la tribune. Alors c'est sûr que plus il y a députés, et moins vous avez de chances de monter. Alors comme on est dans un groupe de 29, qui a des temps de parole, et qui avait de toute façon à la répartition proportionnelle des groupes des places dans les commissions, c'est bien la raison pour laquelle nous avons pu, Philippe et moi, monter aussi vite à la tribune, s'exprimer, poser les questions au ministre et faire le job pour lequel on a été élu. Donc, n'en déplaise à certains, on s'est extrêmement bien débrouillé au niveau de l'Assemblée. Et les choses vont continuer parce qu'on a le support aussi logistique de l'UDI, qui est une petite machine, mais avec beaucoup de collaborateurs. Et donc, tous les amendements, tous les projets de loi qu'on pourra éventuellement déposer en notre nom, mais aussi au nom de l'UDI, on a une machine extrêmement bien rodée, avec des députés qui sont là depuis un certain nombre d'années, qui connaissent parfaitement la machine, et avec l'appui de Jean-Louis Borloo, qui est quelqu'un d'excessivement précieux. Donc voilà, je crois qu'en plus de 3 semaines, on a pu faire la démonstration qu'on pouvait faire des choses. Et moi, je suis sidérée de voir qu'à 22 000 km, ici, en Nouvelle-Calédonie, comment on peut mentir comme ça et raconter des conneries aux gens. Cette victoire, je l'ai dit, elle est collective. C'est la nôtre. Et il y a d'autres échéances qui arrivent. 2014, c'est une année d'élection. Mars 2014, les élections municipales. Et mai 2014, les élections provinciales. Cette fois-ci, il faut gagner les mairies. Il faut gagner Nouméa. Il faut gagner Païta. Il faut gagner le Mont d'Or. Il faut gagner Dabéa. Il faut les gagner toutes. C'est on reste unis, on reste solidaires, on est d'ores et déjà, on vient de terminer une campagne, mais il faut qu'on recommence, et il faut qu'on commence très tôt, parce que ces mairies et les provinciales, il va bien falloir qu'on les gagne, et je compte sur vous. Vous aurez remarqué qu'à chaque fois que j'interviens dans les médias, je ne cesse de rappeler la décision qui a été prise par la majorité des Calédoniens. C'est simplement ça. Et c'est uniquement ça
qui nous motive aujourd'hui, et qui fait que nous souhaitons obtenir la place dans les institutions qui nous reviennent. Vous avez vu encore ce soir les réactions des uns et des autres. J'avoue que je n'ai pas trop compris les réactions des uns surtout. Des autres, ça peut se comprendre, mais des uns, je n'arrive pas à comprendre. Donc moi, ce que je souhaite, c'est que ce genre de déclaration, ce genre d'intention s'arrête parce que notre pays a besoin d'équilibre et puis surtout a besoin de travailler. Moi, je veux vous dire simplement merci. Merci à chacun et à chacune d'entre vous. Et effectivement, le travail est à effectuer dans les jours et les mois qui viennent. Voilà. Encore une fois, merci.